Salut, c'est XOR25, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le survie comme je vous l'avais promis. Donc là, c'est un mini let's play, un petit peu sur survival. Et donc là, on reprend donc là où je m'étais arrêté. Donc par contre, je n'ai aucune bouffe. Enfin, quand ça a passé la nuit, donc normalement, j'ai pas réglé ça en hard. Normalement, ça devrait aller. Donc toujours dans cette magnifique map montagneuse. Donc enfin qu'on attende la nuit, donc patiemment dans notre petit abri. Donc je ne sortirai pas dehors, non, c'est pas la peine. Je n'irai pas. Donc il y a donc des araignées, des trucs dehors. Faut même pas savoir ce qu'il y a dehors. Faut même pas savoir. Donc on va donc pendant ce temps un petit peu discuter, fouiller. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être faire un accès ici, peut-être pour une mine à cet endroit-là. Ce que je fais toujours. J'essaie aussi de montrer dans ce let's play, dans ces épisodes, quelques techniques pratiques. Quand on veut tout simplement miner du diam, ce truc dans le genre. Donc quelques techniques pratiques. Donc je peux détailler ça donc pendant que je vous parle donc que la nuit passe. Tout simplement donc vous allez donc appuyer donc pour trouver facilement des grottes. Si c'est pas un cheat, c'est pas un truc que vous faites qui est quand même méga cheat de la mort qui tue. Vous appuyez sur F3. Donc vous allez avoir donc déjà les valeurs. Donc le plus important déjà dans cette valeur donc déjà la base. C'est donc vous voyez en haut il y a marqué XYZ en dessous de player chunk cache. Oui, bon, je sais pas quoi ça sert le player chunk, mais bon. Vous avez donc X, Y et Z. Donc Y, c'est la valeur centrale. Donc on a 229. Alors cette valeur est très importante parce que le diamant se trouve donc à la couche plus bas. Donc dès que je descends, donc je descends de 1 à chaque fois. Et donc dès que vous êtes à la couche 10, 11, 12, enfin, à cet endroit-là, vous aurez donc votre diamant. Donc ça, c'est déjà important. Mais aussi, vous pouvez voir que si je pointe là-bas, on voit 35 entités. En dessous, donc on a Minecraft 1.9.4 et quand on descend, on voit E. On voit 2.29 et donc sur un nombre d'entités en tout. Donc on peut voir donc que c'est assez pratique, donc on peut voir les entités dans le coin. Mais ce qui est plus mieux, non je déconne, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut voir à distance, et là je pointe, et là 6 entités, 8, par là une entité, là 0 parce que je pointe le ciel, donc 0 entités, mais si je regarde par là-bas 9 entités, on peut voir comme ça les grottes. Ensuite on peut savoir dans quel biome on se trouve. Par exemple, dans les mêmes montagnes, on peut trouver d'autres types de minerais plus facilement. Enfin bref, il y a pas mal de choses comme ça. Donc là-dedans, on a vraiment une source d'information illimitée. La lumière aussi. Et alors, pour savoir si ma peuvent spawner, par exemple, ici, on a 11 de light. Donc c'est toujours dans le même endroit, il y a X, Y, tout ça, je regarde toujours là. À côté, c'est juste ma carte graphique et ce que j'utilise, ce que je pointe, comme de la stone, par exemple. On voit tout en bas, donc à droite de l'écran. Alors, on peut aussi avoir donc, vous voyez, debug, pie, donc shift hidden. Donc en gros, hidden ça veut dire caché. Donc on peut afficher. Donc si j'en appuie sur. Alors, help press F3Q. Donc si on appuie sur F3, puis Q, hop, et on va avoir un écran comme ça. Donc pour reload, donc ça c'est aussi très utile pour tout simplement voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Par exemple, j'ai appuyé sur point, est-ce que je l'ai. Voilà. Donc en gros. On peut avoir Reload Resource Pack, donc c'est le Resource Pack que vous avez bug. Vous pouvez grâce à ça le Reload. Q, donc c'est pour avoir ce qu'on voit là. P, c'est pour mettre en pause le. Alors, par contre, je suis pas sûr, je ne connais pas toutes les options qu'il y a là-dedans. Donc, F3P, donc pause Lost Focus, donc c'est pour quelque chose en rapport avec le focus. Mettre en pause quelque chose, je ne sais pas exactement. Je chercherai, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Cycle Creative Spectator, ça, non, on s'en fout. Unwanted Tall Pips. Donc c'est pour avoir encore d'autres trucs avancés. Cycle render distance. Donc ça c'est pour. Ça je sais pas non plus à quoi ça sert. Clear chat donc ça c'est pour tout ce que pense si je marque. Lol. Re donc j'étais donc à ma soeur est rentrée dans ma chambre pendant que je tournais une vidéo. Mon dieu au secours pourquoi. Voilà donc où est-ce que j'en étais. Donc je parlais donc justement de tout ce dont ce que je parlais là. Donc pour le clear. Chat, donc on fait F3 D. Merde, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut pas que je sois juste faire un truc. F3. Voilà, et là, on a clear le chat. Donc, du coup, ce qui avait marqué là a disparu. Mais si on appuie sur. Même si on appuie là-dessus. Ah, ouais, d'accord, même si on appuie là-dessus. Donc, on a plus. D'accord, ça efface totalement. Et donc là, on voit le soleil s'est levé, c'est bon. Donc, on va pouvoir commencer à sortir. Hop. Par contre, il fait. J'ai. Mon personnage a extrêmement faim, du coup là ça pose problème. Aussi, donc si on appuie donc sur F3Q,
Et on peut aussi afficher Show Hitbox, et donc sur F3B. Et ça, c'est très important parce que vous pourrez comme ça voir les entités à distance. Donc si jamais il y a des poulets, des vaches, des cochons, des trucs, vous pourrez les voir. Donc si vous voulez de la bouffe, c'est le F3B qu'il faut utiliser. Voilà. Tout simplement. Donc là, je vais commencer à sortir épée à la main. Allez, commence à brûler. Allez, on brûle les mecs. Il m'a vu, je vais tirer jusqu'à moi. Il est parti l'aggro? Ah non, il brûle. On attend un petit peu. Allez, meurs. Meurs, enculé. Il arrive sur moi. Meurs! Il s'est caché dans l'eau. Vous allez voir en étant. Là, il y a un creeper juste là. Encore un autre squelette. Ils sont résistants en ce moment, les squelettes. C'est le faire exploser sans. What? Mais sérieux. On va laisser tout ça exploser. Excusez-moi pour le son de l'explosion qui était un petit peu fort. Bon, moi, là, je m'en fous un petit peu des cratères. Là. Hop. Un autre creeper. Bonjour messieurs les creepers. Oh putain mais la vache. Mais d'où il y a autant de creepers quoi? Aïe. Ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation messieurs dames. Par contre j'ai quelques légers. Mais encore un creeper, non mais c'est pas possible. Ah merde, je prends des dégâts de bouffe. Ah. Explose, allez. Donc adieu. Non, je sais pas, donc je mourrai pas par la fin. Mais le problème c'est que là, il y a du creeper. Mais alors partout. Stop les mecs. Stop. Merde, je crois que c'est un creeper. Oh le con. Non, je mourrai pas de faim. Mais si l'araignée qui est là-haut décide de me frapper, je suis mort. Non. Non. Et vite, espèce de misérable petite araignée, de venir me frapper alors que j'aurais un demi-cœur. Que ça ne te passe même pas à l'idée. Oui, donc là, j'ai justement rencontré. Oui, le succès qu'il fallait avoir. Waouh! J'ai le succès. Vite, il faut qu'il y aurait un petit piggy dans le coin. Je ne mourrai pas, rassurez-vous, mais je risque fortement de croiser. Une araignée juste là qui me fera ma fête en 2 secondes si elle le décide. Oui, je gâche ce délicieux champignon parce que je ne peux pas le récupérer. Et je sais même pas d'ailleurs si on peut le récupérer en. Comme ça. Bon, j'ai un demi-cœur. Si je peux le foutre un Spartakick à cette araignée. Non, ne me frappe pas. Non, c'est bon. Non, je peux vous ta Spartakick pour qu'elle tombe en bas. Non. Dis pas qu'elle essaie de me frapper, non, mais c'est pas possible ça. Tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis en réalité. Je tourne des vidéos sur YouTube. Ah, recule. Oui, ça marche. L'argument YouTube fonctionne sur cette araignée. Tu ne me connais pas, araignée. Tu ne sais pas qui je suis en réalité. Car je suis John Cena. Bon. Oui, je suis sérieux, je suis en train d'enfermer cette araignée dans le. Dans un enclos pour araignée. Voilà. Il y a une autre là-bas, non mais c'est pas possible, elle vient d'où celle qui est là-bas? Non, non, araignée, tu ne me connais pas, je ne suis pas ton pote. Bon, disparu. Bon, ouais, j'ai enfermé ta pote, fais pas chier. Lootez-moi une pomme, s'il vous plaît. Une pomme? Là, j'essaie de couper un maximum d'arbres, j'essaie de me faire un coffre moi pour me stocker mon loot. Pas possible quoi. Il y avait 4 creepers sur ma plateforme quoi. 3-4 creepers. Je vais me faire défoncer, je tomberai une araignée par dans le. Non, tu ne me connais pas. Je ne suis pas là en réalité. D'ailleurs, j'essaie de pacifier un peu la zone.
pendant que j'y suis. Je vais faire une araignée là-dedans, quoi. Ah, pas possible. Mais ils en diront, mais dans quelle journée, t'attaqueront pas? Oui, mais je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Et j'ai pas envie de jouer avec un mi-cœur, j'ai pas envie de me lourder. Sauf que j'ai encore toute l'armure. Non, c'est pas moi. Non. J'ai encore toute la montée à faire, donc du coup. Sauf que là, en plus, j'ai des lags, je sais pas du tout ce qui m'arrive. Donc, option graphique. On va baisser ça un petit peu à 15 chunks. Voilà. Parce que je sais pas ce qui se passe aussi, mais je lag un petit peu. Alors, d'habitude, je vais pas texte à cause de fraps. Oh oui, des vaches! Je suis sauvé! Et bien sûr, c'est super casse-couille de les tuer parce qu'on est en 1.9. Et non, moi je ne mettrai pas. Ils ont. Moi j'ai rajouté un truc pour pas qu'on galère. C'est-à-dire qu'ils ont mis un truc qu'on peut désactiver si on veut, on peut désactiver la barre de frappe. Sauf que c'est pas du jeu, c'est la difficulté en moins et moi j'ai horreur de ce qui est en moins. Donc là j'ai de la bouffe, je peux rentrer à la maison. En marchant et en faisant bien gaffe. Quand il y a un petit trou de quelques blocs, genre ça par exemple, je me le mange, je suis mort. Donc hop, je vais vite revenir à mon abri. Hey ho, on rentre du boulot. D'ailleurs, où est-ce que j'ai foutu mon abri? Oh non. Mais non. Non. Pas ici, non, c'est bon. Vite, je vais vite me faire une porte en bois. Une magnifique petite porte en bois. Putain, je sais un bug avec. Ah, allez, ma souris, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ensuite, on va faire un petit coffre. Pour ranger un petit peu ce que j'ai de plus précieux. J'ai rien de précieux en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Voilà. La poudre à canon aussi. Et ça. Ensuite, je vais mettre ça et je vais me faire un petit peu de bouffe. Avec les tout nouveaux sons. Oh, le délicieux son du four. Bon. Bon, ça cuit. Je vais regarder un petit peu aux alentours. Je reviens un squelette. Et j'espère pas qu'il s'est caché sous un arbre, c'est en fuyant. De merde. Ou bien, à moins qu'il y ait. Ah non, il a spawné là-dedans. Il a spawné à l'intérieur. En fait, il a spawné carrément à l'intérieur. Ici. J'entends. Il a spawné à l'intérieur. Ça va là-dedans? Oui, il est là-dedans. Et il est là-dedans, parfaitement. Parfait, donc je peux faire apparaître des mobs en mode des mobs en journée là-dedans. C'est cool. Hop, à retenir. C'est cool. Allez, un petit steak. Maintenant, ah, la douce régène. Par contre, c'est absolument pété en point 9 parce qu'on là, on a juste à m'avoir la full bouffe et puis ça y est, on est régène. Et maintenant, je suis absolument tranquille. Bon, allez. Allez. Hop. Ah. Bon, maintenant, où sont les mobs que je leur défonce la gueule? Donc, je crois que l'araignée a possiblement despawn. Mais. Un petit squelette à spawn à la place. Allez, mets-le ton coup. Ouais, fais pas chier. Et non, je ne bâtirai pas de maison. Hop là, c'est trop moche ce truc-là. Donc non, je ne le ferai pas ma maison dans un truc comme ça. Horrible. Absolument horrible. Bon. Alors, j'ai pas encore eu le temps de bien explorer. À cause de cette journée assez mouvementée avec la bouffe que j'ai dû chercher et tout le bazar. Hop. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Vite fait. Le tour de l'île. Alors, dès que je pourrai être correctement torcher, je torcherai tout. Mais là pour l'instant je ne peux pas. Donc.
Je vais commencer à retourner à la maison, mais là, il fait pas encore totalement nuit, donc je vais voir, je peux pas encore grappiller un petit peu de bouffe. Dès que j'aurai cette torche, je torcherai tellement toute la zone qui est là. Tellement. Alors, est-ce qu'il y aura des vaches qui auraient respawn? Au moins une. Là, j'ai besoin de bouffe. C'est bien d'avoir deux steaks cuits, mais il m'en faudrait au moins 10 pour être bien meilleur. Oh, c'est quand même beau ici. Donc, pas pour l'instant. Je regarde en bas ce qu'il y a. Soit rien ne respawn, mais bon, je vérifie juste s'il n'y a pas des grottes, oui, tout dans le genre. Parce que du coup, moi, je commencerai à miner. Je minerai que ici, en fait, dans une zone comme ça, en fait, je creuserai que là. J'ai pas creusé depuis tout en haut de la montagne pour descendre tout en bas. D'ailleurs. Bon, du coup, là, il n'y a rien pour l'instant. Et il commence à faire nuit. Ah. J'espère qu'il n'y a pas encore 200 000 creepers qui vont spawn cette nuit, parce que là, fichier, quoi. Littéralement. Allez, hop. Alors, on rentre dans le petit abri des familles. Donc ça, c'est pas un passage pour descendre jusqu'au diamant à la mine, c'est justement pour descendre juste en bas, en fait, au niveau de l'eau. Je pense plutôt que je vais me faire une plateforme de saut pour sauter jusqu'en bas. Mais après, il faut remonter. Et après, remonter, j'aurai un passage comme ça. Mais il va falloir que je me trouve le moyen de le faire. Parce que s'installer au de montagne, c'est bien beau, c'est joli la vue, mais c'est chiant. Très chiant. Hop, maintenant, on va se faire une petite torche ici. Petite torche là. Donc, niveau bouffe, j'avais encore un petit steak là. Hop. Donc là, je vais creuser vers l'infini. Dieu. Allez, hop, donc, une, deux, je creuse. Donc oui, c'est pas très mouvementé, mais bon, c'est un survival, là c'est que le début. Mais bon, je pense que je pense plutôt des grosses ellipses. Apparemment, j'ai pas encore fait d'ellipses beaucoup, mais je pense que je vais faire des grosses ellipses. Par exemple, je vais juste le prochain épisode, je pense que j'aurai directement le chemin qui sera fait ici. Je vais pas vous montrer dans toute une vidéo où je vais creuser. Là, juste pour vous montrer un petit peu le début. Mais d'ici le prochain épisode, j'aurai déjà. Je vais pas aller en mine non plus, moi. Je pense que j'irai en mine qu'en vidéo. Enfin, en vidéo, enfin, en mine. En gros, je vais me balader en mine, j'irai miner. Puis dès que j'élipserai toute la partie où je remonte, en quelque sorte. Mais bon, alors, donc, il fait nuit. Ça y est, donc un petit zombie, je ferme la porte, tu vois. Jamais! Hop, donc là, je vais ranger un petit peu les merdes que j'aime mettre dans le coffre. Flèche, les portes, la terre. Je vais faire un deuxième coffre et puis on va se dire à la prochaine, je pense. Je sais pas exactement combien de temps je suis exactement de tournage, mais bon, normalement ça devrait. J'ai de faire des vidéos troncs, ça prendra à monter, à poster, à faire tout ça, c'est super long. Donc du coup, fort que... Bon. Alors, je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine fois, j'essaie d'ellipser un petit peu tout le passage où je creuse dans les profondeurs éternelles. Donc pour accéder en bas et surtout au spawner que j'ai repéré la dernière fois. Donc j'essaierai de vous montrer que les parties assez, disons, intéressantes du survie. Donc toute la partie aujourd'hui, bon, c'était pas très intéressant. Donc c'est normal, entre guillemets. C'est normal. Mais bon, sinon, on se dit à la prochaine. Et donc la prochaine fois, donc je n'aurai pas de fer, donc j'essaie pas non plus de vous ellipser toute la partie où je récolte du fer, parce que c'est quand même, faut quand même savoir ce que je fais. Mais bon, je vous montrerai juste les passages où je récupère, je ferai des ellipses. J'essaierai d'organiser un petit peu mieux tout ça. Mais bon, alors, sinon, je vous dis à la prochaine. Salut! Abonnez-vous, likez et partagez si ça vous a plu. Au revoir!